Et Dieu merci, on est arrivé à bon port. C'est pas encore fini, mais je pense qu'on a fait le plus dur. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Yeah! Et toi, pas trop fatigué? Ouais, si, quand même, un petit peu. Hein. On a fait une grosse journée de transport. Donc, malgré tout, on va quand même garder une activation pour les filles. C'est important. Parce que là, on a tous envie d'aller faire la sieste et de dormir. Et le problème, c'est que si on fait ça, on va être réveillé à 2h du mat ou 3h. Nous, au niveau de la prépa, on puisse quand même travailler sur la mobilité et puis un petit travail de décrassage, on va dire, faire tourner un peu les jambes sur le tapis. Donc voilà, c'est important parce que mercredi, on a un gros morceau qui nous attend et on a hâte d'y être. Donc avant d'y être, il va falloir bien se préparer. How are you? Ça va, Maro? Parle avec Amandine, là, t'as qu'à parler. Il faut qu'on vienne à Seattle pour la voir, ça va. Elle a changé, hein, ça y est, States. Ça va? Et toi? Le rêve américain, comment ça se passe pour toi? Alors, ça se passe bien. Il y a eu des bas au niveau des résultats, mais je suis contente. Je suis aussi surprise du niveau de Casey. Il y a de très bonnes joueuses. Je suis vraiment contente d'être ici parce que je découvre autre chose et c'est agréable de retourner un peu en France avec cette panoplie de plein de choses. Elle est pas bien, elle est pas bien. Aux États-Unis. Exactement. Contente d'être là? Ouais, grave. Contente. Suite de temps de travail, surtout tactique déjà pour préparer le match de Barcelone, d'accord? Défensivement, offensivement, déjà les premiers messages pour pouvoir être prêt pour le match de mercredi. Je vous remercie.